sosie de Cyril. Bonjour sosie de Théophane. Cette semaine, ce n'est pas eux qui vont présenter la semaine du plan B. Ni tenir le bar. Si, ça c'est eux, parce que moi j'ai d'autres choses à parler. Ok Théophane. Ok Cyril. A tout de suite. A tout de suite. Mardi. Eh bien oui, mardi, c'est le 1er juillet et c'est le troisième match de l'amicale. Blonde contre les brunes. Voilà, ça vous donne l'occasion de venir boire de la bière blonde ou de la bière brune. Exactement. Maintenant vous connaissez le principe, hein, un match en pro, un arbitre, deux équipes, ça s'affronte. Et puis c'est surtout gratuit et donc vous venez boire des bières et puis vous prenez du plaisir, voilà. Voilà. Mais Popip, qu'est-ce que tu fais? Mercredi. Mercredi, c'est le repère de là-bas si j'y suis, donc prenez votre pipe. Vous allez débattre, on va débattre ce mercredi sur le traité de TAFTA. Cette négociation continue de se poursuivre en pleine opacité vis-à-vis des citoyens européens. Eh ben, le repère de là-bas si j'y suis, c'est l'émission de Daniel Mermet. Mais ça a pas fait, c'est pas fini l'émission de Daniel Mermet. Vous pouvez toujours aller voir sur le site là-bas-si-j'y-suis.org et sur le Facebook du plan B. Qui voilà. N'a aucun rapport. Non, aucun. Okay. Mais attends, cherche mon morceau qui passe à la radio. Non. Jeudi 3 juillet. Au plan B. C'est là où vous pouvez venir voir Petit Corps qui va pas bien. Avec ses textes, pour pouvoir échanger. En fait l'idée c'est ça, on va pas se la même parce qu'on est pas assez bon pour ça. Mais par contre la scène slam qui vient au plan B, eux ils sont doués. Ils sont très doués et ils vont venir avec des textes qu'ils auront écrits chacun de leur côté. Et puis ensuite qu'ils vont s'échanger pour que chacun puisse slammer sur le texte de l'autre. C'est le principe, ça s'appelle échange ton slam. Mais le slam aussi en anglais ça veut dire... Voilà, ça veut dire ça. J'ai compris, échange ton slam. Non, échange ton slam, ok voilà. Et ça c'est échange ton slam. Poppy, attends, tu vas voir, ça passe à la radio là. Vendredi 4 juillet, c'est le Jungle Book duo. C'est du trip-hop nomade. Alors trip-hop, attention, c'est pas trip comme le trip, comme l'acide. T-R-E-E, voilà, ça c'est pour les anglophones. Mais peut-être comme l'acide, on planera parce que trip-hop musique ferait que peut-être qu'on serait dans une musique un peu plus calme. Voilà, ils viennent de Tours et puis ils vont, et donc ça prouve aussi qu'ils sont nomades. C'est ça. Puisqu'ils viennent jusqu'au plan B pour venir faire leur concert. Exactement. Samedi, soirée LHO. Soirée LHO, ça veut pas dire que ce sera un concours de t-shirt mouillé, hein, à ne pas confondre. Hein, on n'est pas froid non plus. On n'est pas dans un bordel, hein, on est au plan B. Bon. Plusieurs DJ, plus de la techno, c'est organisé par Longueur d'onde. C'est ça, donc LHO. Soirée qui va danser, ça va groover. Oui. Oui, c'est tout ce que t'as à dire en fait. Oui, tu dis juste. Oui, que... oui. D'accord, ouais, ça m'aide beaucoup. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Et donc c'était, comment on dit après? On dit un truc genre c'était la semaine du plan B. C'était la semaine du plan B. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage.